Bonjour les belles plantes et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce samedi 3 novembre 2018. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, les énergies qui vont nous traverser sont des énergies de vulnérabilité. Alors comment vous dire que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse? Je sais que dans cette société, être vulnérable, c'est ne pas se montrer à la hauteur, c'est ne pas être assez fort, c'est faire preuve de faiblesse. Non, pas du tout. Moi, je ne ressens pas ça comme ça. C'est justement le fait qu'on peut se laisser aller à être soi, à être authentique pour moi, la vulnérabilité. Parce que voilà, on peut être touché par une situation qui va se passer aujourd'hui dans notre vie. Et du coup, on va peut-être verser quelques larmes, on va se sentir bouleversé, on va être peut-être étonné, peut-être choqué. C'est comme ça qu'on va montrer notre vulnérabilité. On ne peut pas être toujours 100% dans le contrôle, 100% dans la force. Et je trouve justement que des moments comme ça fait du bien parce qu'on montre tout simplement qu'on peut être soi et que quand on est soi, eh bien, voilà, on peut être un peu plus sensible et on peut pleurer et voilà, on s'autorise à montrer une part de nous-mêmes que généralement on cache, hein, justement de peur de qu'on nous prenne pour un faible, vous voyez, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein. Alors que moi je trouve pas du tout, je trouve justement que c'est très beau de montrer notre vulnérabilité, que voilà que certaines choses nous touchent, ça veut dire qu'on est humain, ça veut dire qu'on a des sentiments et que ces sentiments on les dévoile et qu'on ose les dévoiler. Moi je trouve plutôt qu'on est plutôt franc, je trouve que c'est même risqué. Mais c'est beau, c'est un beau risque à prendre d'être vulnérable, de se laisser aller à la vulnérabilité. Il n'y a rien de faible là-dedans, au contraire. Donc si ces énergies viennent à vous traverser aujourd'hui, juste veillez à ce que de beaux bras viennent vous accueillir dans le sens où ce soit des bras qui vous comprennent, des bras qui ne vous jugent pas, des bras qui sont là pour vous, juste pour être là auprès de vous, parce que voilà, peut-être que ce sera pas facile, peut-être que voilà, ce sera pas oui, ce sera pas facile tout simplement et pas agréable. Donc voilà, quand même je peux remarquer qu'au niveau des émotions et des sentiments cette semaine, je pense que on en prend quand même un coup, hein. Il me semble que c'est assez fort émotionnellement cette semaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois toutes les énergies qui nous ont traversées cette semaine, voilà. Alors encore une fois, ce sont des énergies qui ne vont peut-être pas vous traverser, sont peut-être des énergies qui vous ont déjà traversées, qui vous traverseront plus tard ou même pas du tout. Hein, c'est un tirage généraliste, hein, je tiens quand même à le rappeler. Et puis ça se peut que vous ne ressentiez ces énergies qu'une petite partie de la journée, qu'à un certain moment de la journée, hein. Donc voilà, mais se laisser aller à la vulnérabilité, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On est fait de qualité, on est fait de défauts. Et c'est ça qui fait qu'on est soi. Voilà. Donc voilà. Moi, je vous souhaite quand même une merveilleuse journée, un merveilleux samedi. Profitez et voilà. Soyez vous-même. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, lumière!